Yo la team Puma, j'espère que tout va bien. Alors aujourd'hui, une nouvelle vidéo un petit peu spéciale. Je sais pas si vous avez pu me suivre sur les réseaux, donc sur Facebook et sur Insta. J'avais pu faire le jeu concours avec Triomphe France, où je vous faisais gagner pendant une semaine la Triomphe de votre choix. Sachez que derrière moi, cette petite demoiselle qui est ici, qui s'appelle Roxane. Roxane avec son poteau Philibert. J'appelle Philibert, j'arrive pas avec ton prénom, c'est quoi? Philibert, c'est bien. Bon, avec le petit Félix. Avec le petit Félix derrière. Donc Roxane a gagné pendant une semaine, voire même plus finalement, deux semaines, cette magnifique Street Triple RS que vous connaissez, que j'ai pu essayer au Portugal, que j'ai pu essayer avec Triomphe RPM 77. Et moi, de base, je devais avoir normalement, elle est où? Je devais avoir normalement cette chose-là, la Rocket 3 GT. C'est la R? La R, mais moi version GT. Finalement, ça s'est pas fait parce que, tout simplement, eh bien, il n'y avait pas de possibilité d'avoir de prêt. Donc, on m'a filé cette petite Tiger 900 Rally Pro, celle qui m'a coûté une botte au Portugal. Ouais. Donc, sachez les gars, que Roxane, qui est derrière moi, avant, possédait quoi comme moto? Une R6N. Une R6N. Est-ce que tu repars, tu te rachètes une R6 ou est-ce que je te file les clés de cette bête? Je veux bien la Triomphe, ouais. Pourquoi pas? Roxane, oui. Ici présente, oui. Je vous donne solennellement les petites clés de cette Street Triple RS qui est à vous, pas pendant une semaine, mais deux semaines. Elle a de la chance, hein, parce qu'on signe les contrats et au début, on s'est dit quoi? C'était une semaine. Ouais, et là, il fait, ouais, mais c'est jusqu'au 29. Oh, bah trop bien. Impeccable. Et bah je connais une street qui va prendre encore 20 000 km en deux semaines, ça va être cool. Alors, je te laisse Roxane démarrer cette petite street. Elle est belle hein, en tout cas cette petite street, hein. Magnifique. Voilà. Ouais, vas-y, fais-le bien. Voilà, contente? Qu'est-ce que ça? Bien entendu, pas plus que 80. Non. Non, de toute façon, c'est quoi? C'est la fondue neutre, ça, non? Ouais, c'est quoi? C'est la fondue neutre. Alors, j'ai une petite question, Roxane. Pourquoi la Street RS quand tu as choisi tous les modèles? Parce que la Street RS, c'est une moto que j'affectionne beaucoup. Enfin, la Street Triple de base, même les Speed, j'aime beaucoup le style. T'es plus Street ou Speed? Je suis plus Street. Street? Ouais. Parce qu'elles ont vraiment du charisme avec les feux comme ça et... Même à feu rond, elles sont belles, faut se le dire. Ah bah tu sais quoi, hey, Philibert, t'es plutôt feu rond ou feu normaux? Enfin comme nous. Parce comme que nous. Cet homme-là, vous voyez là-bas, elle est là-bas, là, sa street, elle est là. C'est une Street Triple R 2013, c'est ça? Pas R. 675 normal, mais 2013. Donc t'es plutôt feu rond ou feu amande comme feu nous? Feu amande. Feu amande, je préfère amande. Team feu amande. Team Feu Amande, c'est Team bien. Team Feu Rond, elle est là. J'aime bien aussi. Mais ouais. Celle-ci est quand même sublime. Et moi, j'aime bien les motos qui ont du caractère. Celle-ci. Ah bah alors attendez, les gars, elle cherche du moteur avec du caractère. Là, oui. ce petit moteur-là, croyez-moi qu'en termes de caractère, là, je pense que tu as trouvé quelque chose à ton goût. Ça veut juste dire caractère en fait. Ça, voilà. Ça veut dire caractère en je sais pas trop c'est quoi le sigle, mais ouais, en anglais, c'est ça. Hein. Triomphe, ça veut dire caractère, hein, c'est ça. Exact. Et tu hésitais entre la bonne ville, c'est ça? Ouais, j'hésitais entre la bonne vie parce que c'est vraiment une moto aussi que j'affectionne au niveau du style et du charme qu'elle a. Parce que bah, c'est assez plus tranquillou et ça a un charme. Mais là, je cherchais vraiment la performance et pouvoir m'amuser quoi. Bah, ça c'est cool, ça fait plaisir. La team Puma, sachez que nous allons reprendre le guidon. On va laisser équiper tranquillement. Je vais les faire visiter 2-3 petits coins de Bretagne sympa qui est pas très loin. Et puis ensuite, bah, on la laissera partir avec. Et cette moto qui est actuellement, elle a combien de ventes celle-là, tiens? 1300. 1300 km, voilà, donc elle la rendra à Triomphe avec un zéro derrière. Oui. Bon allez, let's go, on va s'équiper, c'est parti. Oh,
Bon, bien voilà les gars, ça y est, on est équipé. La petite Roxane est équipée avec la Street. On a toujours Philibert avec sa Street R. Oh, joli les feux blancs devant. Je valide. Moi, j'ai le tank, les gars. J'ai enlevé le top case derrière parce que forcément, j'ai pas envie de ressembler à un vendeur Uber. Hop, on monte dessus, on démarre. Ah bah oui, si je mets pas le contact, ça va être tendu. Cette moto de daron, Tiger 900 pour moi. Et voilà, ça y est, la petite Roxane est en train de se familiariser avec la Street. Bon là, c'est simple, moi ma moto, elle a le plein. Derrière, sa Street, eh ben, elle a pas le plein. Donc on va aller faire le petit plein. On va aller se balader un petit peu, on va aller se poser jusqu'à Bénodet. Ça va être une petite route classique. C'est histoire qu'elle se prenne en main et puis qu'on s'amuse un petit peu avec. Ça va être bien cool. Ça va être bien, bien cool. Bon, le Carrefour Market est ici. Ok. Hop, la petite station ici. Le petit plein. Voilà ce que ça fait 1m10 sur un tabouret. Ça fait du bien, non, pour faire la moto? C'est trop bien, hein. Ouais, en fait, en gros, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu le mets et t'as juste appuyé au milieu dessus pour l'enlever de nouveau. J'ai l'impression de pas le mettre, en fait, c'est trop bizarre. Ah bah, tu sais, sur le R6, c'était un crantage à l'ancienne, tu sais. C'est bien, hein. Ouais, après, il faut régler les petits rétros, tout ça, quoi. Et voilà le gang des Streets. Enfin, des Streets. Moi, j'ai la petite Tiger Rally. Ouais, ça fait plaisir. Moi, ce que je vous conseille, les gars, quand vous faites le plein comme ça, moi, je vous conseille toujours de venir mettre du 98, parce que franchement, le 98, tu vois, sur les bécanes, la moto, elle consomme peut-être, on va dire, tu payes un peu plus cher ton plein, on va dire, très léger, mais c'est surtout que ta moto, elle marche mieux, elle chauffe plus vite, elle consomme moins, surtout, je sais pas, le moteur, je trouve que tu, c'est pas que tu l'encrasses moins, mais je sais pas, moi, j'ai toujours mis du 98 dans ma Street, et rien à dire là-dessus, c'est quand même vachement mieux. Ouais, t'appuies et tu tournes. T'appuies et tu tournes. Voilà. Non, mais 98, c'est ce qu'il y a de mieux, je trouve. Toi aussi, tu mets du 98, toi? Ah ouais. Ça pétarade un peu plus, c'est marrant aussi. Ouais. Elle ne met jamais de E10, hein. Jamais, jamais de E10. Si à un moment, tu t'amuses avec ta moto au sable, et qu'à un moment, tu veux refaire le plein, si y a une station E10, tu repars... Mets du 95, au pire, mais pas le E10, quoi. Allez, on redémarre la grosse. Ah oui. Un petit coup, voir. Ah, c'est propre. Hein. Et là, on est sur un pot d'origine, là, les gars. Allez, let's go. Let's go. On va s'amuser. Ah là là. Check-moi un peu ce baroudeur en Tiger. Le doux plaisir. Le doux plaisir. Alors là, je suis un peu perdu, mais je crois que c'est par là-bas, normalement. En fait, en même temps, tu vois, les gars, je vais les amener là-bas, moi. Mais il s'avère que je connais pas non plus trop la route, tu vois. Donc là, on va rouler tranquille dans la ville, le temps qu'elle s'habitue à la Street. Vous voyez, je sais pas, elle doit faire peut-être 1m60. Hey, tu mesures combien? 1m60. Vous voyez, 1m60 sur la Street, ça passe finalement. Bon, elle est sur une jambe et demie, on va dire. Mais ça le fait. Eh ben, on croise que des Streets. V à toi, ami Streeteux. Speed. Cette moto de daron que j'ai, gros. Mais en tout cas, les gars, vous savez que... Vraiment, dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse l'essai de celle-ci. Parce qu'avec celle-ci, mais je l'ai envoyée, mais tellement fort au Portugal, j'étais hyper, hyper bien avec. C'était en mode de genoux, tout ça, c'était vraiment top. Cette petite Tiger 900. Franchement, un grand merci à Triumph France, vraiment, de pouvoir permettre à ma communauté de pouvoir, franchement, kiffer de ouf. Il y a peu de marques, hein, j'ai jamais vu encore une marque qui dit, vas-y, tiens, je te fais gagner pendant une semaine une moto. Et tu vois, ça permet de faire plaisir à des abonnés, bah là c'est une abonnée, bah de kiffer, et ça c'est cool. Ah, elle commence à ouvrir un peu les gaz derrière. Elle est très agréable à rouler, cette petite Tiger, hein. J'aime beaucoup, hein. Les suspensions sont certes un petit peu molles, mais ça reste quand même largement dosable, dans le sens où quand même tu peux te permettre d'arriver assez fort en courbe avec le petit genou au sol qui fait plaisir. Regardez, vous voyez la vivacité de la moto à bas régime de la Tiger 900, c'est incroyable. C'est vraiment tout bonnement incroyable, cette patate à bas régime. Yes, la petite trottinette électrique,
Ça fait plaisir. Viens toi, motard goldwiniste. On va la laisser passer tranquillement. Voilà. Bon, elle est vraiment stylée, franchement, cette Street Terrace. 1m60, je sais plus qu'on avait dit 1m60 quelque chose, et franchement rien à dire. Hein. Bon, et puis elle va kiffer en plus, tu vois, c'est sympa. C'est ça qui fait plaisir, c'est que c'est une position de conduite. Tu peux quand même attaquer, mais tu peux aussi rouler tranquillement. Et c'est ça qui fait extrêmement plaisir avec cette moto-là, c'est qu'elle est très polyvalente dans le sens où tu peux l'utiliser en moto tout simplement utilitaire. Mais quand tu as envie vraiment de rouler fort, tu peux. C'est vraiment la sportive de chez Triumph. D'ailleurs, je pense d'ailleurs, c'est clair les gars, des Daytona ou autres, on n'en verra pas, hein. On n'en verra pas, c'est sûr. Mais là, on roule tranquille parce que voilà, c'est le temps qu'elle la prenne en main. Ça faisait un an qu'elle n'avait pas reroulé en moto. Si je dis pas de bêtises, ça fait un an qu'elle avait vendu son ER6. Mais c'est surtout l'avantage de la Street, les gars, c'est que c'est une moto, elle est extrêmement polyvalente dans le sens où tu peux rouler avec sans te faire peur. Bon, après, je connais pas vraiment trop le coin à 100%. Donc je les amène vraiment, on va dire, dans des endroits où je sais que c'est joli. J'ai juste envie de vous montrer un petit coin sympa que j'aime bien et qui est pas moche. Bon, après, c'est le 29, les gars, on va pas non plus s'énerver deux secondes. Hein. C'est vrai que clairement, par contre, quand on voit sa Street à Philibert, qui est la même avant que moi finalement, tu vois quand même que les feux avant la nouvelle Street, il y a quand même une claque phénoménale quand même. Hein. Tu vois vraiment que là, avec les nouveaux designs avant, là, les deux feux LED, ça lui donne vraiment un rajout non négligeable en termes de design sur la nouvelle Street RS. Hein. Ah, c'est trop bien, il a le régulateur, je vais l'utiliser quand je vais pouvoir revenir, tu vois. Parce que moi j'ai cette Tiger là jusqu'au 29, hein, donc moi j'ai le temps, on va dire. Allez, elle va accélérer un petit peu. Ah oh là 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 là. Ça fait plaisir. Ah, il y en a un qui s'amusait à faire du drift ici. Là, je vois par terre des droite-gauche énervés. En tout cas, quoi de mieux, les gars? Franchement, quoi de mieux? Être en Bretagne, un super beau soleil. Et les gars, on est dans le 29. Donc là, les gars, là ce que vous voyez actuellement, les gars, c'est digne d'un mirage. Il y a tous les mecs du 29 qui vont me défoncer. Et en plus, on est tous en Street et en Triumph et en Tiger. Et là, franchement, c'est vraiment, vraiment top. En tout cas, ça me fait plaisir. Et ben, que ça lui fasse plaisir à Roxane d'avoir cette moto-là, finalement, pendant deux semaines. Ah bah tiens, on va voir Bruno du 29. Bruno du 29, si on voit pas ce que c'est, lui... Ah lui, il vient pas de Paris, c'est clair et net. Hein. C'est vrai que le couple à Barizim est incroyable quand même sur cette Tiger 900. Ça reprend hyper bien. Allez Bruno, ciao Bruno, on se voit à l'apéro. La petite Street passe sans problème les dodanes. L'avantage c'est qu'elle n'est pas... C'est pas une moto trop assujettie, on va dire, à aller racler du sabot dans les dodanes ou autre. Regarde ça. Petit Bénodé. On va être bien. Avec pas trop de touristes en plus. Bon, la Tiger, franchement, tu peux même le passer à 400 km/h. Que les suspensions acceptent sans problème. Hop. On va aller à gauche. Regardez ça. Check-moi un peu cette vue. Check-moi un petit peu cette vue. Et nous, on va aller se foutre à droite sur l'espèce de petite esplanade. Et... On va pas être bien là. Check ça un petit peu là. Alors ça cherche le point mort, il est où le point mort? Il est là. Nickel. Bon. Et on est pas mal là. Hein. Je vous ai montré ça. Là on est à Bénodet là, ça s'appelle. Et apparemment il y a des gaufres qui sont hyper bonnes, mais c'est fermé forcément. Mais apparemment il y a des très bonnes gaufres, ou je sais pas, des glaces ou des choses comme ça qui sont super bons ici. Ouais, banquise là, laisse tomber, apparemment on était ici, mais il y a la queue, mais ça traverse la route, c'est débile, hein. C'est clair. Bon, c'est nickel, hein. Allez. Ouais, ça va. C'est un peu chiant la Bretagne quand même, hein.
franchement, je préfère le périph' parisien. Il fait pas beau, il pleut tout le temps en Bretagne, c'est vraiment chiant. Bon, je reprends le petit réflexe. Toujours la petite Roxane, le petit Philibert derrière qui est ici. Et regardez-moi un petit peu cette vue avec toutes ces streets et cette Tiger. Ça, ça fait extrêmement plaisir. Donc, nous sommes arrivés, comme je l'expliquais, donc à Bénodet, les gars. Bon, ma petite Roxane, on va se mettre devant la street, ça va être joli. Premières impressions. Du punch. Du punch. La grosse patate, très légère en main. Ouais, là, franchement, la prise en main, quand t'es parti de la concession et t'as commencé à faire 2-3 petites courbes, ouais, c'est... Très souple. Ça s'appréhende vite. Ouais, très souple, léger, ça se prend en main aussi vite qu'un vélo, en fait. Et, ouais, c'est ça qui est impressionnant avec la street. Couplé à la puissance, et non, c'est vraiment... c'est un jouet, quoi. Et quand t'as accéléré, c'est pas mal, un petit peu. C'est pas mal, hein. Ça fait les yeux, c'est génial, ouais, ça a vraiment... Et mine de rien, ta petite taille, bah, fait que... Ça va. Parce qu'en fait, ça se voit pas trop, mais de base, vous voyez. Voilà. Ça va, je suis pas embêtée. T'es pas embêtée, ça va? Non, parce que ça reste assez léger, maniable, donc je peux m'appuyer sur le côté... Ouais, même pour les freinages d'urgence, enfin, freinages en rime, quand t'es passé devant moi à des feux, tu vois, tu peux t'arrêter sans forcément être en mode super mode avec la jambe... Non, ça va, j'arrive à bien me mettre dessus et puis... Non, ça c'est cool. Et confortable. Pour une tienne d'origine, confortable. Ouais, mais attends, t'as pas beaucoup roulé. Non, pour l'instant. Ouais, tu verras. Quand tu vas revenir au niveau des sables, tu vas te dire ouh, j'ai le popotin en feu, aïe aïe aïe. Mais pour l'instant, ça va. Bon, bah, c'est cool. Elle bon, est bah, top. Est-ce que ça te fait plaisir? Carrément. Bon, bah, c'est nice. Bah, en tout cas, merci Triomphe France et merci Triomphe Quimper. Pour leur la petite 308 GTI qui passe derrière moi. Bon, et eh bien, en tout cas, bah, moi, je vais te laisser partir avec ta petite moto pour une semaine, voire deux, finalement. Ouais. Hein. Donc kiffe bien, attention à toi, tu vas la déposer, je crois c'est ça au Triomphe. Nantes. Nantes, ouais, c'est tout ça. Tout à fait. Bon bah voilà, on va la laisser s'équiper tranquillement et elle va repartir avec sa belle. Ouais. Moi je vais rester vite fait avec ma petite Tiger parce que je pense que je vais aller sur le sable avec, un peu dans la flotte. Parce que là, regardez les gars, là ma petite Tiger, moi j'en suis content. Hein. Qu'est-ce que je me marre avec ce truc là. Bon Philibert, tu restes avec moi toi? Allez, je reste. Moi, allez. J'aime bien la Bretagne. Toi, t'aimes bien la Bretagne, la Bretagne. Elle va rentrer au sable. Non, c'est sympa, hein, la Bretagne, c'est beau. C'est pas mal. Ouais, c'est sympa, la Bretagne. Voilà, 1m10 sur un tabouret, ça donne ça. Bon, allez. Le check coronavirus. Rentre bien. Profite. Elle commence à connaître les bails de la street. On valide la street. C'est beau. C'est beau. On valide la street. On valide la c'est street. Beau. Bon, et bien les gars, en tout cas, je reste avec Philibert. Alors, Roxane est en train de rentrer chez elle tranquillement au niveau des Sables d'Olonne. Moi, je vous dis à très bientôt. N'oublie pas, abonne-toi à ma chaîne YouTube. Un grand merci à Triomphe Quimper, un grand merci à Triomphe France. N'hésitez pas à aller les follow dans la description. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Salut, bisous. Ciao, ciao.